Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans tout le Sahel. Ce numéro est entièrement consacré à la nouvelle cellule de géomatique et de digitalisation que s'est dotée le Niger à travers son ministère d'Agriculture et d'Élevage. En effet, c'est un centre qui vise à former des profils experts en matière de traitement d'images, de télédétection via les satellites, mais aussi les drones dans le domaine agricole. Grâce à une collaboration tripartite entre la République du Niger, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et le Royaume du Maroc, ce centre a vu le jour et est aujourd'hui doté en matériel et en ressources humaines de qualité. Notre équipe est allée à la rencontre du personnel de cette cellule pour en savoir davantage sur celle-ci, ses activités, mais aussi découvrir les matériels et les plateformes technologiques de pointe dont elle dispose. Je vous propose de suivre le reportage. Digital Sahel, grand projet numérique. La cellule de géomatique et de digitalisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger poursuit ses efforts de modernisation et de redynamisation des collectes et traitements des données dans le secteur agricole. Cette cellule transversale de géotechnologie et de digitalisation constitue le début d'une marche vers un développement agricole durable au Niger. En octobre 2019, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement du Niger et celui du Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Puis en avril 2020, un autre protocole a été signé entre la FAO et le Centre régional africain des sciences, des technologies et de l'espace en langue française, donc le CRASTLF, qui est affilié à l'ONU. Donc ces protocoles en fait ont concerné la fourniture donc des services. Il s'agit en fait de renforcement de capacités en faveur donc des cadres du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Élevage. Depuis un certain moment, les attentes du marché agricole ne cessent d'augmenter parce que tout le monde veut faire de l'agriculture de précision. D'où il faut maintenant migrer vers l'utilisation des satellites et des drones. C'est en ce sens d'ailleurs que la cellule a été créée et la cellule donc a pour mission justement la digitalisation du secteur de l'agriculture. Équipée en ressources humaines de qualité et en matériel et plateformes technologiques de pointe, en phase avec le protocole d'accord signé entre la FAO, le Maroc et le Niger, la cellule de géomatique et de digitalisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger a pour vocation d'améliorer le secteur agricole à travers la collecte et l'analyse des données géographiques, leur traitement et la sortie des rapports en vue d'une agriculture de précision. Grâce à cette coopération, on a eu une salle équipée avec des ordinateurs de dernière technologie, les ordinateurs INEF. Et sur l'ensemble de ces ordinateurs, il y a au moins 5 logiciels de traitement, soit de cartographie, soit de digitalisation sur ces ordinateurs-là. Donc, il y a même un logiciel de traitement des images drones, dont on a déjà testé cette application. On a fait une mission terrain au niveau du département de Kolo, là où on a collecté des informations avec des drones et on est revenu au niveau de notre cellule. On a fait le traitement de ces images-là pour voir la situation de cette zone. Et c'était une zone qui a connu une inondation. Et grâce à ces traitements des images, on a identifié les zones inondables. Avant, quand on fait nos rapports, on n'utilisait pas la cartographie. On fait des rapports seulement avec des tableaux. Mais cette fois-ci, on a fait déjà 2 rapports de nos activités, là où on a intégré des cartes de situation, de là où les activités ont eu lieu. Et ça permet une lecture plus facile sur la carte, où est-ce qu'il y a eu activité, où est-ce qu'il n'y a pas eu des activités. Et ça, on a commencé déjà à intégrer dans nos rapports. Toujours dans le cadre du renforcement de capacité de cette cellule et dans l'optique de réaliser efficacement les missions qui lui sont assignées, la formation reçue par le personnel a permis de mettre à la disposition de la cellule des logiciels de dernière génération et des applications en matière de collecte et traitement de données géospatiales. On a reçu des formations sur le logiciel ArcGIS, QGIS, Envi et Agisoft. Et Agisoft, là, je vous dis que c'est avec licence.
Les autres sont non licence, mais Agisoft, qui est le logiciel de traitement des images drones, c'est avec licence qu'on a reçu ça. Et en plus de ces logiciels, on a reçu aussi des renforcements de capacités sur des applications de collecte de données digitalisées, notamment ODK Collect et Google Form. Ces deux outils-là aussi nous aident à digitaliser nos outils de collecte. Et rien que cette année, comme je vous ai dit, on fait deux enquêtes agricoles, il y a pluviale et irriguée. Cette année, on est en train de conduire une enquête hybride. Hybride, c'est-à-dire on utilise les papiers et en même temps on utilise les smartphones avec l'application que je vous ai parlé qui est ODK Collect. Et ça, c'est du niveau national. On a un dispositif de plus de 400 agents et cette année-là, c'est appliqué pour l'ensemble de notre dispositif. La cellule dispose d'un grand nombre d'outils d'analyse géospatiale et de télédétection qui impactent considérablement le traitement des données et la sortie des rapports. Vous voyez sur mon écran ici, c'est quelques coordonnées des champs qui ont été envoyées par nos agents à partir du terrain. Déjà, ça, c'est un grand impact de renforcement des capacités parce qu'avant, on n'avait pas cette possibilité. Je vais dire, presque tous nos rapports, on n'utilisait pas ni la cartographie, ni la télédétection. Alors que c'est des outils modernes qui sont à la mode, où le monde tend vers aujourd'hui. On ne peut pas faire avancer le monde sans ces technologies. Et c'est comme l'avènement de WhatsApp, Facebook. En un rien de temps, vous avez l'information à votre portée. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nos collectes de données, on peut les suivre directement. Et les campagnes agricoles, on peut suivre aussi avec les images satellitaires pour confirmer ce que les agents nous envoient à partir du terrain. C'est comme un système d'alerte. Il y a une zone où on nous envoie des données, soit il y a des sécheresses ou bien des attaques. Et à partir des images satellites, on peut visualiser par exemple ce champ-là ou bien cette zone-là qui est ici. Et on peut confirmer et ça nous permet aussi de faire des missions terrain pour qu'on appelle mission vérité terrain. On peut aller sur le terrain, vérifier les données qu'on a reçues de nos agents et les données des satellites pour voir la conformité de ces informations. On a reçu des formations tantôt sur la télédétection, cartographie, traitement des images, enquête agricole. Et il y a une nouvelle plateforme de la FAO qui est appelée Hand in Hand, main dans la main. Et cette plateforme permet au gouvernement d'identifier les zones et aussi orienter les politiques agricoles parce que c'est une plateforme qui a une base de données mise à la disposition des États pour pouvoir identifier les zones d'intervention et orienter aussi les décisions du gouvernement. Ça, c'est vraiment un grand profit pour la cellule parce que c'est une nouvelle plateforme. Les experts de la cellule sont en train de travailler avec cette plateforme et il y a eu déjà un premier contact avec la FAO pour que cette plateforme on intègre ça. Cette cellule dispose aujourd'hui d'une autonomie palpable et le personnel s'en réjouit. En tant qu'expert aujourd'hui, la première des choses, je ne vais pas me vanter, je me sens moi-même aujourd'hui. Je sais vraiment qui je suis. Ensuite, aujourd'hui, si on me dit, on nous demande de faire la cartographie des cultures, c'est-à-dire de suivre les cultures de A à Z, du moment où on a semé jusqu'à la récolte, on peut le faire aujourd'hui. Nous tous, dans la cellule, on peut le faire. Parce que c'est des formations qu'on avait reçues. On a fait une simulation ici au niveau de Colon. On a choisi deux communes, commune de Liboré et commune de Ndunga. On a fait des simulations là-bas. On était parti dans les champs, dans les rizières, on a pris les coordonnées, on a pris des images, on est revenu au bureau, on a téléchargé des images, on a superposé les coordonnées là avec sur les images et on a numérisé, on a digitalisé. Donc vraiment, il n'y a pas ce qu'on a fait en termes de géomatique. Cette digitalisation est venue remplacer la manière traditionnelle et permet le suivi en temps réel de collecte de données par les agents sur le terrain. En tout cas, le changement vraiment est de taille parce que avant,
on faisait beaucoup de choses de manière, je peux dire, traditionnelle, pour dire qu'on utilisait beaucoup du papier. Or, maintenant, avec cette digitalisation, tout est avec les appareils de dernière génération de haute technologie. Mais concernant, par exemple, le traitement des images satellitaires, avant, on ne le faisait pas. Donc, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau pour nous. C'est le premier ministère, en tout cas, qui a créé la première cellule géomatique. Donc, avant, on n'utilisait pas les images satellitaires. Mais concernant la collecte des données qu'on a l'habitude de faire, et c'était sur papier. Donc, cette fois, avec les formations qu'on a reçues, surtout avec ODK, pour la collecte et le traitement donc, des données, là, vraiment, il y a une très grande différence parce que le papier, on n'utilise presque plus de papier. Donc, tout est sur des appareils. Au niveau de la cellule, il y avait une équipe multidisciplinaire composée de 11 experts, dont 6 qui sont permanents. Donc, vous avez chacun un poste au niveau de la cellule. Et l'activité, la mission principale, c'est que c'est améliorer les activités déjà du ministère. Comme nous, on est déjà de la direction des statistiques et on fait beaucoup de collectes de données pour le ministère. On fait suivi des campagnes agricoles parce que c'est à la charge de la direction des statistiques qui fait ça. Donc, à travers ces formations, surtout sur la télédétection, qui nous permet de suivre l'évolution de la campagne s'il y a des anomalies. À travers la cartographie, okay, à travers ces renforcements de capacités, on peut voir, parce qu'on conduit chaque année 2 enquêtes agricoles, spécifiquement agricoles. Donc, à travers ces enquêtes-là, on peut faire suivi, et, je veux dire, direct des enquêtes. On peut voir qui est qui en train de travailler directement et où est-ce qu'on a posé des carrés de rendement. Comme vous savez, avec les papiers, ce n'est pas facile de faire ce contrôle. Mais avec les outils digitalisés et avec les coordonnées GPS, on peut voir à partir d'où notre agent enquêteur a envoyé les données. Des activités en phase avec les objectifs de numérisation du secteur agricole nigérien dans le cadre du plan stratégique Niger 2.0 que s'est assigné le Niger. Cette cellule permettra une gouvernance intelligente et l'augmentation durable de la productivité grâce aux compétences que possède son personnel en la matière. Les données qu'on est en train de collecter, elles ont un grand impact parce que à partir de ce qu'on est en train de faire, à la fin de collecte, on va identifier des zones qui sont déficitaires. Et ces zones déficitaires-là, le gouvernement doit prendre dans son budget pour venir en aide à cette population. Donc, à partir de notre travail, on vient en aide à la population vulnérable. Et c'est à partir des données-là qu'on est en train de collecter, on va avoir la richesse du Niger. Au Niger, à 80%. Les activités de la population, c'est agriculture. Et si c'est agriculture, ça veut dire que le revenu est en majorité agricole. Et à partir de ça, l'Institut national de la statistique calcule le PIB, c'est-à-dire la richesse du pays. Et à partir de ces données, on peut classer les pays sur la croissance de cette année. C'est pourquoi la technologie, la digitalisation, la géomatique doit aider à améliorer ce qu'on est en train de faire. Imaginons si on surestime, ça veut dire que la population, on l'a mis en victime. Elle doit être aidée, mais elle ne sera pas aidée parce que faute des données qu'on a collectées. Imagine si on sous-estime, c'est pareil. Le budget de l'État serait obligé d'orienter ses ressources pour venir en aide à la population. L'importance de cette cellule, ça va améliorer la qualité des informations. Toute planification, tout projet est basé sur des données. Si cette cellule contribue à l'amélioration des qualités des données, c'est que les décisions que le gouvernement va faire, les planifications que le gouvernement va faire, vont impacter sur le Niger. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro du Digital Sahel entièrement consacré à la cellule de géomatique et de digitalisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger. J'espère que vous l'aviez suivi agréablement et intégralement. Si vous souhaitez le révisionner, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse Digital Sahel. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos pages via les liens ci-dessous.
Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via notre adresse mail ou notre numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Ce même numéro sera retransmis sur notre radio Challenge FM la semaine prochaine via la fréquence 96.6 MHz. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.